et sa joyeuse équipe pour votre nouvelle pantalonnade animée, Chromatographe. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, le cinématographe rencontre un succès des plus flamboyants. Ah ouais! No use to keep your seat, for you simply can't control your feet when a rest of fleeting old tattoo. Que de temps a passé en effet depuis le temps où nous nous brisions le dos sur les kinétoscopes d'Edison. Mon père en avait les lombaires qui trépidaient. Que de temps a passé depuis les articles dithyrambiques de la presse qui s'enthousiasmaient devant le réalisme des premières projections. Aujourd'hui, le cinématographe est partout, dans toutes les villes et dans tous les esprits, et malgré sa relative jeunesse, on a déjà l'impression qu'il a toujours fait partie du paysage. Tout ou presque a déjà été dit sur le cinématographe, mais il reste pourtant une des merveilles les plus fascinantes et mystérieuses de notre époque. Si mystérieuse qu'encore aujourd'hui, il est très compliqué de lui donner une définition définitive. Simplement parce que cela nécessite au préalable de répondre à une question dont la réponse paraît évidente, mais qui n'est pas tant que ça. Qui a inventé la cinématographie? Essayons donc une bonne fois pour toutes de régler la question. Messieurs, êtes-vous disposés? Certainement. Plus que jamais, je reviens de la selle. Mesdames. Donc, Grandma's Reading Glasses ou La Loupe de Grand-Maman en français est un film britannique sorti en novembre 1900 aux États-Unis et réalisé par George Albert Smith, ancien hypnotiseur et télépathe qui est surtout connu pour avoir été le gérant des jardins St. Anne's Well, dans lesquels il organisait de nombreux divertissements tels que des séances de lanternes magiques, des appareils qui permettent de projeter sur une surface plane des images peintes ou photographiques. C'est un moyen coûteux mais indispensable pour égayer n'importe quelle soirée. Ça, c'est un catamaran. Oh. Incroyable, c'est incroyable. Smith commence à faire des films en 1897 et c'est 2 ans plus tard qu'il fait construire un studio consacré au cinématographe avec l'aide financière de Charles Urban, un autre réalisateur britannique. C'est bien Urban de sa part. Vous préférez l'habitat rural ou l'habitat urbain? Non. Il a depuis réalisé de nombreux films tels que Le baiser dans un tunnel, Ce qu'on voit dans un télescope ou encore le film qui nous intéresse aujourd'hui, La loupe de grand-maman. Que nous allons redécouvrir ensemble de ce pas. Ah oh. Non. Alors, La loupe de grand-maman nous raconte l'histoire d'un enfant qui prend la loupe de sa grand-mère pour regarder des objets autour de lui, un article de journal, le mécanisme d'une montre, un oiseau en cage, l'œil de sa grand-mère, un petit chat, et c'est la fin de La loupe de grand-maman de George Albert Smith. Donc, plein de choses à dire, évidemment. D'abord, ce qui saute aux yeux. Les sujets sont bien représentés, les mouvements sont très réalistes, et le cadre est bien choisi. De ce côté-là, rien à dire, c'est de la belle ouvrage. Mais alors, pourquoi vous parlez de ce film plutôt que d'un autre? Tout simplement parce que ce film est, selon moi, l'inventeur de la cinématographie. Cela a de quoi surprendre, puisqu'à la question qui a inventé le cinématographe, la plupart des gens répondraient sans sourciller, les frères Lumière en 1895. Eh bien, la plupart des gens ont tout à fait raison. Un peu d'histoire, le terme cinématographe désignait au départ un appareil, je cite, photographique instantané pour l'obtention automatique et sans interruption d'une série de clichés analytiques, du mouvement ou autre, créé en 1892 par Léon Bouly, un inventeur français. On n'a jamais vu l'appareil en question fonctionner, mais le nom cinématographe a été racheté par les frères Lumière 3 ans plus tard, le 13 février 1895, lorsqu'ils déposent le brevet de leur spectaculaire invention. Ce qui fait qu'on peut effectivement dire que le cinématographe a été inventé par les frères Lumière en 1895, et la première projection publique a eu lieu le 28 décembre 1895, Boulevard des Capucines à Paris. Sauf que ma question n'était pas de savoir qui a inventé le cinématographe. Si. Non. Ma question était de savoir qui a inventé la cinématographie. Ah. Et oui. Puisqu'il y a bien sûr une différence entre l'appareil, le cinématographe, et l'art de faire des films, la cinématographie. La question naturelle qui vient maintenant est donc, dans l'immensité des vues que nous propose le cinématographe, qu'est-ce qui relève de la cinématographie? Georges Méliès, fantastique réalisateur malheureusement tombé dans l'oubli, classifiait déjà en 1907 les différents types de vues proposées par le cinématographe. Il avait trouvé 4 catégories. Les vues de plein air, qui reproduisent les scènes de la vie usuelle, les vues scientifiques, qui reproduisent le mouvement dans le but de l'étudier, les vues à sujet composé, où les actions sont préparées, comme au théâtre, et enfin, les vues dites à transformation, ou vues fantastiques, qui utilisent des trucages. Et de ces 4 catégories, il est indéniable que l'une d'elles rencontre un succès stupéfiant et sans commune mesure avec celui des autres. Puisqu'aujourd'hui, le gros de la production cinématographique et les films qui font le plus se déplacer les foules sont des sujets composés. Il est donc légitime de considérer ces vues comme celles qui sont le plus représentatives de ce que pourrait être un art cinématographique. Il serait alors simple de trouver quelle est la date de naissance de la cinématographie. Ce serait celle de la sortie de la première vue à sujet composé. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples. Parce qu'au début du cinématographe, les vues à sujet composé se confondent régulièrement avec les vues de plein air, les deux pouvant être visuellement similaires. Par exemple, la sortie des usines Lumière, que tout le monde comprend comme une vue de plein air, est en réalité une vue à sujet composé où l'action a été préparée avant d'être jouée. Et lorsque les vues à sujet composé étaient faites d'un point de vue unique, comme le simple enregistrement d'une activité théâtrale, la qualité artistique de l'œuvre ne dépendait que du sujet filmé par le cinématographe. Mais à partir de La loupe de grand-maman, qui est le premier film à proposer une alternance de point de vue dans une unité de lieu, la qualité du film ne dépend plus de ce qui est montré, mais de la façon dont c'est montré. C'est-à-dire la façon dont l'espace est découpé puis recomposé dans le temps. C'est ça la spécificité de la cinématographie. C'est ça qui fait sa suprématie sur toutes les autres formes d'art, bref, c'est ce qui fait l'art cinématographique. Merci George Albert Smith, merci grand-maman, merci les amis, et merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt pour un nouveau Chromatographe. C'est une succulence. Quel est son patronyme? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Et là, c'était... pas
très intéressant. J'ai rien compris. Ouais, c'était effectivement assez nul. Et je sais pas en quoi c'est censé nous apporter une solution. C'était pas censé nous apporter une solution. C'était censé nous donner une impulsion. Maintenant, il faut que vous parliez d'un film. Ok, lequel ? C'est comme vous voulez. Moi, j'ai une idée. Alors, Carnosaur est un film d'horreur slash science-fiction américain sorti le 21 mai 1993 aux États-Unis, produit par l'inénarrable Roger Corman, adapté du roman éponyme d'Harry Adam Knight et réalisé par Adam Simon, scénariste et réalisateur américain responsable de Braindead sorti en 1990 avec Bill Pullman et Bill Paxton, et qui n'a rien à voir avec le Braindead néo-zélandais de Peter Jackson sorti 2 ans plus tard, qui a dû être renommé Dead Alive pour sa sortie aux États-Unis. À ne pas confondre avec Dead or Alive, Dead or Alive, Dead or Alive 2, Dead or Alive Final, Wanted Dead or Alive, le film, pas la série, Wanted Dead or Alive, Hell's Fury Wanted Dead or Alive, Dinosaur Dead or Alive, Hitler Dead or Alive, Alive or Dead, More Dead Than Alive, The Dead Are Alive ou encore Dead or Alive. Ils l'ont appelé comme ça pour pas qu'on se trompe. En plus de ça, Adam Simon a aussi participé à l'écriture de Bones, un film de vampire avec Snoop Dogg qui joue le vampire, ce qui me fait cocher une case supplémentaire sur ma fiche. Snoop Dogg peut être qui il veut et il t'emmerde isole, juste au-dessus de Rasta, Catcher, Cowboy, 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 Navi, le comte de Sesame Street, que se passe-t-il, pourquoi, qui sommes-nous, GPS, In 200 yards. Turn right. Et quel est cet étrange vaisseau à la dérive qu'on appelle Terre ? Bref, on n'est pas obligé d'aller beaucoup plus loin dans sa filmographie pour se rendre compte que les films d'Adam Simon ne sont pas vraiment rentrés dans l'histoire. Par contre, on se souvient volontiers de lui pour les quelques caméos qu'il fera dans des films d'autres réalisateurs, comme là, dans le fantastique The Player de Robert Altman, et parce qu'il a, et c'est assez rare, inspiré un archétype de personnage, celui du producteur ou réalisateur de films qui galère à Hollywood, dont vous pouvez voir un exemple dans le personnage interprété par Justin Theroux dans le sublime Mulholland Drive de David Lynch, que tout le monde vous a déjà recommandé 1000 fois et que je vous recommande à mon tour une 1001ème fois. Mais il est d'arrêter de tourner autour du pot. Tourner autour du pot, putain, je viens de comprendre le sens de l'expression et c'est dégueulasse en fait. Ah, je déteste les fleurs. Mais il est temps d'arrêter de tergiverser comme des gros tas de merde et de regarder dans les yeux l'horreur avec un grand O. H. H. Carnosaur. Donc, Carnosaur commence dans les locaux de Nice, une start-up jeune et dynamique, dans laquelle officie le docteur Jane Tiptree, en VO, Tiptree en VF, une scientifique célèbre pour avoir trouvé des alternatives génétiques aux pesticides agricoles et accessoirement pour avoir fait disparaître une sous-espèce d'insectes entière de la surface de la planète à l'occasion de sa thèse de doctorat. Je le mets dans mon CV ? Je le mets pas dans mon CV ? Ce qui, évidemment, lui attire l'inimitié de tout un tas de militants écologistes et l'attention du gouvernement qui garde un œil sur elle et sur ses activités du moment dans un bureau qui respire la bienveillance. Des activités qui consistent principalement, et c'est ce sur quoi va reposer toute l'intrigue du film, à essayer de recréer des dinosaures. Pourquoi ? On verra plus tard. Comment ? C'est la question que je vous pose. Voyage dans le temps pour aller chercher des bébés dinos ? Plus con ! Voyage dans le temps pour aller chercher Shirley et Dino ? Encore plus con ! Des poulets ? Des poulets ? Des poulets. Des poulets. Non mais c'est pas si fou que ça. Hein. Des poulets à qui on a injecté de l'ADN d'autres animaux pour en faire des dinosaures. Mais non. T'es un peu des chickenosaurus quoi. Non mais sérieusement, quel connard peut imaginer... Le paléontologue Jack Horner et les biologistes Bart and John Boulard de Yale et Erat Abzanov d'Harvard. Ils ont réussi à faire régresser des embryons de poulets pour leur faire retrouver leurs dents. C'est probablement ce qu'il y a de plus proche d'une recréation de dinosaures par l'homme dans l'histoire de la science. Science et Avenir a fait un article là-dessus, ils appellent ça le Chickenosaurus. Franchement, j'en ai rien à foutre, c'est des charlots. Pour un bon Chickenosaur, il vous faut donc 14% de truches, 13% d'iguanes, 14% de vautours, 15% d'albatros, 14% de pélicans, 14% de crocodiles et 16% de dinde, ce qui fait de la dinde l'ingrédient principal du dinosaure. Pour faire une bonne dinde, faut l'élever, comme dans le temps, à l'herbage. Quand vous imaginez un dinosaure, essayez donc de penser à une grosse dinde. Attends, t'as dit quoi ? Une grosse dinde. Bref, l'idée de Tiptree est de recréer des dinosaures, et évidemment, de telles manipulations génétiques ne sont pas sans conséquences. La principale étant... la recréation de dinosaures. Et très vite, un des poulets génétiquement modifiés pond un œuf anormalement gros, d'où sort donc un dinosaure extrêmement agressif avec d'une part les autres poulets, et d'autre part les employés de Purex, élevage de poulets. Purex, élevage de poulets. Et célèbre fabricant de cadottes. De quoi ? Des réservatifs. C'est pour mettre sur des dénis. Hein ? Des bites. T'es flippant. Que le bébé dinosaure attaque avec la fureur d'un petit chien. Parce que c'est très clairement un petit chien. J'adore ce film. Eh ben, pour l'instant, moi aussi, aléatoire personnage bourré, ça nous fait un point en commun. Je préfère une bonne bouteille à une lobotomie totale. Ah, mais comme moi. Toi aussi, t'as des lunettes de soleil qui apparaissent et disparaissent aléatoirement. C'est comme si on était frères. Non, bon, en fait, ce personnage qui s'appelle Doc travaille comme gardien pour Eunice. Et un soir, dérangé dans ses activités quotidiennes par des bruits étranges, il arrive à capturer Trosh, une militante écolo qui s'inquiète du tripatouillage génétique du docteur Tiptree. Elle réussit malgré tout à s'échapper en profitant de l'alcoolisme de son geôlier. Il est saoul.
il est bleu. Et sympathise avec ce dernier le lendemain quand il refuse de la poucave au shérif de la ville. Ce qui fait de lui, ma foi, un chic type, un brave gars et le héros par défaut du film, parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et quand tout ce qu'on a c'est un gardien de nuit alcoolique avec un tractopelle, on lui enfile mitaine et bandana et roule ma poule, on a un couple de gentils sans saveur. Pendant ce temps, une bande de cool kids joue aux Smashing Pumpkins dans une Jeep au milieu de la pampa et échange une mort rapide et spectaculaire. Merde ! On a failli bouffer du caillou, les copains ! Contre une mort lente et douloureuse, dévorée par un poulet mutant pendant une pause pipi d'une élégance rare. Vous comprenez, l'heure est grave. N'importe quoi. Puisque désormais, n'importe qui peut se faire bouffer par un poulet mutant en liberté. Essayez de prononcer cette phrase sérieusement, vous allez voir, c'est pas évident. Et malheureusement, nous n'avons à opposer à cette insoutenable violence aviaire que des héros à la compétence toute relative. Dévoré, dévoré. Il a dit qu'il va être dévoré. Il a dit quoi ? Quel délire, ça doit être la souffrance. Oui, la souffrance qui vient de son corps, qui a visiblement été dévoré. Bref, c'est la merde, des personnages se font déchiqueter dans tous les sens, et on apprend que le docteur Friperie est en fait une grande malade qui non seulement veut recréer des dinosaures, mais en plus en a déjà un à qui elle donne ses employés en pâture. Alors Gilles, je sais pas où tu vas avec ça, mais t'as peut-être une carrière. On a donc désormais un grand méchant à détester en la personne du docteur Triperie, un groupe de gentils qui se compose non seulement de Trush et de Doc, mais aussi du shérif de la ville qui prend tous ces événements avec un calme admirable. Tiens, tiens, les dinosaures. Dans mes œufs. Et un petit tas de personnages secondaires qui serviront de chair à mâchoire, tels que lui, interprété par Clint, la mort en espagnol Howard, le frère de Ron Howard, qui se balade dans une batterie de poulet en mangeant du poulet et se fait tuer par un dino-poulet. C'est la situation classique de l'arroseur arrosé. Tiens d'ailleurs, Rosé, il faut pas que tu oublies de te mettre un peu de pommade de temps en temps quand même. C'est même pas une rougeur, ça va partir tout seul. Et il faut croire que ce spectaculaire torrent d'entrailles et de grimaces ne suffit pas pour éponger la soif du docteur Triptree, qui lance donc la deuxième phase de son plan diabolique, car oui, il y a une deuxième phase qui consiste à. Accrochez-vous. Fait. C'est fait. Remplacer les humains par des dinosaures en tuant toutes les femmes du monde après qu'elles aient accouché d'un dinosaure parce que selon elles, la planète a été faite pour les dinosaures. Tout cela me dérange. Parce que autant je peux comprendre cette envie d'éradiquer l'espèce humaine, autant je trouve ça super injuste de placer des dinosaures au-dessus de nous. Déjà parce que je vois pas pourquoi la Terre serait plus faite pour eux que pour nous, à ce tarif-là on peut aussi conclure que c'est la planète des bactéries parce qu'elles étaient là avant, mais aussi parce que, à part être des dinosaures, moi je trouve qu'elles ont pas grand-chose d'exceptionnel ces bestioles. Non, attends, c'est pas ce que je voulais dire. C'est très cool à regarder les dinosaures, y'a pas de soucis, ils posent ce flingue. Non, ce que je veux juste dire, c'est qu'ils ont pas beaucoup de mérite, quoi, dans le sens où tout ce qu'ils faisaient de leur journée, c'était dormir et manger. Ce que Jérémy fait déjà très bien simultanément. Bref, ce plan, selon moi, c'est pas très réglo. Voyons ce qu'en pense le héros de l'histoire. Alors vous voulez rendre notre planète aux dinosaures ? On peut le formuler ainsi. C'est génial, vraiment fabuleux. Un parc d'attractions immense. Un parc d'attractions ? Non, tu confonds un parc d'attractions avec le Mésozoïque. C'est parce que les mots se ressemblent. Qu'est-ce que vient foutre l'idée d'un parc d'attractions dans ce film ? Bref, pour mettre à exécution son terrible plan, il faut que les femmes visées par le virus consomment des œufs venus de Purex, élevage de poulets. Je vous rappelle quand même que les œufs en question ont cette gueule-là. Qui mange ça ? Personne. Personne. Et Trush, l'héroïne du film, finit par se retrouver elle-même contaminée, ce qui pousse Doc à essayer de trouver un sérum pour la soigner. En parallèle à tout ça, les militaires menés par Elikaku, grâce à leur perspicacité flamboyante, leur amour sans faille pour le coca et leur talent de sage-femme inouïe, c'est un garçon, perce à jour les machinations de cette connasse déglinguée. Qu'y a-t-il eu en premier, l'œuf ou la poule ? C'est l'œuf. L'œuf cosmique. Et déclenche par conséquent le code bleu, qui est en médecine le code d'urgence de l'arrêt cardiaque. Mais ça n'a rien à voir. Mais vous avez appris un truc. C'est alors que, révélation, on comprend que le décompte qui dure depuis le début du film H-66 heures était l'ultimatum de la mise en application du mystérieux code bleu. C'est malin, hein, parce qu'il y avait vraiment le mystère du c'est quoi ce truc. Attendez. Cellules infectées pour 1 million 70%? Ça fait beaucoup. Short de longue histoire, comme disent les Américains, tout ça nous amène très bientôt à la fin du film, évidemment, mais entre temps, on a quand même droit au docteur Créperie qui se sacrifie pour donner naissance à un autre dino. Ah C'est Alien, non ? Ouais, c'est Alien, ça ressemble à Alien. Et notre affaire se termine sur une bagarre entre l'héroïque couple et un gros dino. Petite originalité, il l'éventre à l'aide d'un trapèze. Aliens. Oui. Les gentils gagnent, le dino est vaincu, le méchant du film gît dans une mare de son propre sang, et Doc réussit à contacter des secours qui arrivent en un rien de temps.
Eh ben, je crois qu'on a tous appris quelque chose ensemble aujourd'hui. On a appris que, quels que soient les problèmes qu'on rencontre dans la vie, quelles que soient les embûches que l'existence place sur notre chemin avec l'ironie nihiliste d'un enfant pervers qui arrache les ailes des mouches, que ce soit un caillou dans la chaussure ou un terrible virus qui tue toutes les femmes du monde après qu'elles aient accouché d'un dinosaure poulet, on pourra toujours compter sur des autorités compétentes qui mettront leur vie en danger pour nous venir en aide. Oh toi, symbole d'un monde plus sûr, œil bienveillant, abri de lumière, pose sur nos épaules tremblantes d'inquiétude ta main de sérénité et qu'à jamais brille ton cœur de diamant sous le plastique d'or de ta combinaison anti-contamination. Alors, mais attendez, parce qu'il est peut-être pas mort. Parce qu'en fait, si on regarde vraiment très précisément où sont situés les impacts... Ok, reste-t-il un peu d'espoir à quelqu'un? Ok, Non, je crois que là, c'est... Bah là, ça a l'air fini, hein. C'est ça, là c'est le générique qui défile. Et c'est la fin de Carnosaur et de mon innocence. Mais c'est aussi le début d'une grande aventure. Puisque oui, contre toute attente, et je suis sûr que ça vous surprendra, Carnosaur a été plutôt correctement reçu par les spectateurs, puisqu'il rapportera en tout plus $1,700,000 pour $850,000 de budget. Pas le carton du siècle, mais un joli petit fouet d'argent qui a permis la mutation du film en franchise avec deux suites, Carnosaur 2 et Carnosaur 3 Primal Species, et deux spin-offs, Raptor en 2001 et The Eden Formula en 2006. Quatre films donc qui réussissent tous avec brio à être nettement moins bien branlés que l'original. Ce qui ne signifie pas forcément que l'original soit spécialement bien branlé. Mais force est d'admettre qu'il avait pour lui déjà l'avantage d'être le premier, ça c'est évident, mais aussi la sincère envie de s'amuser avec des gros dinos en plastique. Les bestioles ont d'ailleurs été confiées à John Carl Bickler, qui, non content d'être lui-même réalisateur, connu notamment pour Vendredi 13 7, Le Premier Troll, parce que le monde est petit, et Ghoulies 3, Ghoulies Go to College, que j'ai renommé Était-ce vraiment nécessaire 2, est également un spécialiste des effets spéciaux qui, au moment de la sortie de Carnosaur, était déjà au générique de dizaines de films, du très sympathique From Beyond, aux portes de l'au-delà de Stuart Gordon, à l'improbable Garbage Pail Kids, adaptation cinématographique de la série de cartes à collectionner Les Crados, qui mettait en scène des bébés dégueulasses qui parodiaient les Cabbage Patch Kids, une série de poupées déjà pas mal chelou. Une des plus effroyables saloperies qui se soit abattue sur les années 90, et croyez-moi je les ai vécues, c'était un déluge. Non, tout le monde aime les crados. Non. Mais si, c'était trop bien. Non, toujours pas. T'as raison, c'était de la merde. Je me suis forcé à aimer parce que je pensais que ça me donnait l'air cool, mais ils me faisaient super flipper. Ils sont partout. N'exagère pas non plus. Ils sont partout. C'est juste que personne ne les voit. Quand vous regardez un film, vous vous dites « Oh tiens, c'est le petit gosse en fauteuil roulant, il discute avec des copains à lui. » Mais moi, tu sais ce que je me dis? Je me dis Yann Plan, Eric Cochet, Philippe Sanslip, Robert Pissotière, Natacha de Gouttière, Edgar Tollard. Arrête, tu vas les invoquer. Tu vois, ça fait peur. Bref, je disais que avant de bosser sur les dinos de Carnosaur, John Carl Bickler avait quand même une certaine expérience du métier. Ma question est donc toute simple. Comment en est-on arrivé là? Eh bah, la raison principale, comme souvent, est d'ordre pécuniaire, et étant donné le faible budget du film, Bickler a dû faire l'intégralité de ses trucages en seulement 10 semaines, et que 10 semaines, pour ça, c'est simplement pas assez pour avoir un rendu complètement convaincant. Que voulez-vous, c'est la vie. Ceci étant dit, je salue sincèrement la tentative. Parce que même si la plupart des plans font bader, je me dis qu'avec un peu plus d'astuces dans la façon dont ils sont éclairés, cadrés et montés, on aurait pu avoir un résultat à peu près correct. Et puis de toute manière, si on veut comprendre pourquoi le film est ce qu'il est, on va devoir arrêter de s'intéresser à des problèmes cosmétiques pour essayer d'aller un peu plus dans le fond des choses. Préparez-vous donc à un petit voyage dans le passé. Comme je le disais au tout début de l'émission, le film est adapté d'un livre, Carnosaur, écrit en 1983 par Harry Adam Knight. Eh bien, il s'avère que ce roman a une genèse assez particulière que je suis sur le point de vous raconter dans 3, 2, 1, go! Ok, alors notre histoire commence en 1983 lorsque Harry Adam Knight, lui, engage une conversation avec Alan Jones, pas lui, parce qu'on n'a pas trouvé de photo, donc on en a mis une de Tom Jones, un de ses amis et collègue journaliste spécialisé dans le cinéma, qui revient tout juste d'un voyage à Hollywood et qui lui explique que les dinosaures allaient être le prochain truc à la mode au cinéma parce qu'il avait vu plein d'images de dinosaures un peu partout dans les studios. Ni une ni deux, Harry gribouille un synopsis, écrit un livre et le fait publier l'année suivante, en 1984, persuadé que la réussite commerciale du livre était assurée par des dizaines de films de dinosaures qui sortiraient en même temps. Spoiler ! Ce n'est pas arrivé. En fait, le seul film de dinosaures sorti en 1984, c'est Baby, Secret of the Lost Legend, qui, on peut se l'avouer aujourd'hui, n'a pas vraiment laissé une empreinte impérissable dans l'histoire de l'image animée. Même si j'admets volontiers être séduit par le nouveau logo qu'ils ont fait pour la ressortie en DVD du film. J'aime bien le choix des couleurs, l'agencement du truc, l'idée de la silhouette et tout. C'est très joli.
C'est pas mal, ouais. Bref, on aurait pu en rester là avec un livre qui fait un bide, mais parfois, l'histoire est d'humeur chafouine. Et quelques années plus tard, au début des années 90, Harry est contacté par l'équipe de Roger Corman qui lui demande de lui écrire un scénario adapté du roman pour en faire un film. Harry accepte et à partir du moment où il livre le scénario à Corman, c'est silence radio, il a plus de nouvelles. Ça, ça sent pas bon. Et en plus de ça, il commence à entendre des rumeurs qui disent que le film va être ridicule. Ça... ça sent encore moins bon. Mais quelques semaines plus tard, Alan Jones, le journaliste qui avait prévu le boom des dinosaures de 1984, revient le voir et lui dit qu'il vient de faire un autre voyage à Hollywood et qu'il a eu l'occasion de voir l'équipe des effets spéciaux de Carnosaur le film et que... eh ben ça rend pas mal du tout. Ah, ça commence à ressentir meilleur. Et dans la foulée, il tombe sur plusieurs critiques plutôt bonnes à propos du film. Ah là, ça sent presque bon. Jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil d'Alan Jones qui lui dit qu'il vient de voir le film et que, je cite, c'est de la merde. Et ça repue à tout jamais. Au final, Harry Adam Knight a été voir le film lui-même et a conclu, effectivement, c'est de la merde, mais de la merde intéressante. Ce que je retiens de toute cette histoire, c'est 1. Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui ressemble à Tom Jones. Non, attends, il ressemble pas vraiment à Tom Jones. Et 2. Ben, je suis plutôt d'accord. T'sais, le film est assez nul. Mais il y a des trucs intéressants, et si ce n'est intéressant, au moins intrigant. Et notamment, ce qui m'a particulièrement intrigué la première fois que j'ai vu le film, c'est ce plan de fin. Je sais pas si tout le monde le ressent comme moi, mais ce plan de fin n'a strictement rien à foutre dans Carnosaur. Déjà, il est 5 fois trop déprimant pour le ton du film, au même titre que toute la séquence de fin par ailleurs. Et en plus, il a l'air nettement plus symbolique que tous les autres plans, qui la plupart du temps servent à nous montrer les personnages avancés dans l'intrigue, sans aucune vraie audace stylistique de quelque forme que ce soit. Vraiment, ce dernier plan m'intrigue, donc j'aimerais prendre un moment pour me pencher dessus. Alors déjà, il faut que j'explique ce qu'il montre. Ce petit garçon espiègle que vous voyez brûler dans les flammes purificatrices des sbires d'Elikaku s'appelle Alfred E. Newman. On sait pas exactement d'où il vient, mais il est surtout connu pour avoir été utilisé comme mascotte du magazine américain Mad, qui est très peu connu chez nous, donc pour que tout le monde comprenne bien ce que représente Alfred E. Newman, je vais vous expliquer d'où il vient. En 1947, le jeune William Gaines hérite de EC Comics, la maison d'édition de bande dessinée de son père, mort dans un accident de bateau. La maison d'édition publie à l'origine des bandes dessinées éducatives pour les petits, et William Gaines décide de changer cette politique pour s'orienter vers un public adolescent, et commence donc à publier tout un tas de comics d'horreur et de science-fiction qui, non content d'être toujours super cool à lire aujourd'hui, rencontre à l'époque un franc succès auprès de la jeunesse. Ce qui est souvent... mauvais signe. Quelques années plus tard, en 1954, le psychiatre Frédéric Vertam publie le livre Seduction of the Innocent, qui est consacré à l'idée que les comics sont nocifs pour la jeunesse. Pire, qu'ils sont une importante cause de délinquance juvénile. En 2010, les sources qu'il a utilisées comme base à son livre ont été rendues publiques et on a pu se rendre compte qu'il avait manipulé, exagéré, falsifié des données pour prouver la dangerosité des bandes dessinées. Mais à l'époque, le livre a fait un peu de bruit, suffisamment pour être utilisé par le récemment créé sous-comité sénatorial des États-Unis sur la délinquance juvénile, qui s'en est servi comme argument pour attirer l'attention sur les dangers supposés des comics. Et ça a marché, puisque le battage médiatique autour du sujet a forcé l'industrie à s'auto-censurer en créant le CCA pour Comics Code Authority. Le principe est très simple, avant de sortir votre BD, vous devez la faire lire par un comité qui décide si oui ou non elle est conforme à un certain nombre de règles. Et si c'est le cas, vous avez droit à un joli sceau de la CCA qui valide l'inoffensivité de votre production artistique. Et on peut imaginer que c'est pas grand chose, et même que c'est pas plus mal qu'il existe une signalétique qui prévienne les gens de ce qu'ils vont lire, parce que visiblement une couverture comme celle-là ne suffit pas. Mais sauf que c'est pas si simple. Parce qu'en pratique, les bandes dessinées qui n'avaient pas ce sceau de la CCA étaient simplement et purement refusées par les kiosques, ce qui, la plupart du temps, équivalait à la mort pure et simple de l'œuvre en question. Un système d'autocensure donc aussi efficace que de la vraie censure d'État et dont les règles semblaient parfois viser spécifiquement les publications EC Comics. Plus le droit de dessiner des vampires, des loups-garous, des monstres, plus le droit de se moquer d'une figure d'autorité quelle qu'elle soit, plus de mauvaises fins que des happy ends. Le code allait même jusqu'à interdire des mots comme terror, aurore ou encore le terrifiant crime. Ce qui, vous en conviendrez, est plutôt chiant quand vos publications les plus célèbres s'appellent Vault of Horror, Crypt of Terror ou Crime Suspense Stories. Ce qui devait arriver arriva, les ventes des bandes dessinées EC Comics se sont effondrées et elles ont toutes disparu en même temps. À une exception près. Une seule BD EC Comics a continué à se vendre correctement. Une BD satirique qui avait cartonné quelques mois plus tôt avec la parodie Super Duper Man et qui s'appelle Mad. Et qui s'appelle Ryo. Loco en la Cabeza, qui à l'époque donc était une bande dessinée, et dans le but de conserver son indépendance et d'échapper à la CCA, elle a été transformée en magazine, puisque la CCA ne concernait que les comics. Et c'est ainsi qu'est né le magazine Mad. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis, Mad est devenue une institution, rencontrant un immense succès outre-Atlantique pour son irrévérence. Pour la blague, là vous pouvez voir une photo de George Bush qui tient un numéro de Mad qui contient les 20 trucs les plus cons de l'année 1999, dont il fait lui-même partie. Le magazine a eu un impact gigantesque sur un paquet d'artistes américains, et même en France, des magazines comme Fluide Glacial s'en sont inspirés. Et tout ce que je viens de vous raconter, cette lutte contre la censure, cette irrévérence face à l'autorité, est contenu symboliquement dans le visage d'Alfred E. Newman, qui brûle à la fin de Carnosaur. La question logique est donc, pourquoi ce visage brûle-t-il à la fin de Carnosaur ? Et avant de poursuivre, je préfère vous prévenir que ce que je vais dire tient de l'interprétation personnelle et que j'ai aucune source qui me prouve que c'est vrai. J'ai toujours imaginé que, à un certain degré, tous les films parlent un peu de cinéma. Ce que je me dis, c'est que les films sont faits par des gens qui font des films.
Wow. Et on met toujours un peu de soi dans les films qu'on fait. Ça veut dire que les choix que font les créateurs d'un film dépendent de ce qui se passe dans leur vie. Et évidemment, leur vie tourne, au moins en partie, autour du cinéma. Il est donc souvent très intéressant d'essayer de comprendre un film à l'aune de ce qui se passait au même moment dans l'industrie du cinéma. C'est pas évident parce que tous les types de cinéma ont des façons différentes de réagir à ce qui se passe dans leur industrie. Par exemple, vous pouvez noter que lorsqu'Hollywood subit une crise majeure, il réagit par la démesure en essayant de proposer un spectacle plus long, plus grand, plus spectaculaire. C'est ce qui s'est passé dans les années 60 à cause de l'explosion de la télévision. Mais sauf que là, on n'est pas dans ce monde-là. Là, on est dans le monde des petits budgets, des dinosaures en plastique et des plans nichons. On est dans le monde de Roger Corman. Un monde qui, au moment de la sortie de Carnosaur, n'était pas au mieux de sa forme. L'âge d'or des productions Corman semblait touché à sa fin pour deux raisons. Déjà, la mort des drive-in, les cinémas en plein air où vous pouviez mater un film sans sortir de votre bagnole, et surtout à cause du fait que les films que faisait Corman, des films d'horreur, de SF, de monstres, avaient été récupérés par les studios qui en avaient fait des blockbusters. Donc vous voyez où je veux en venir. Je comprends ce plan comme une mise en garde ou du moins un constat sur l'assassinat du cinéma de genre à petit budget décomplexé et contestataire des productions Corman par les studios et leurs blockbusters. Et effectivement, je trouve ça assez intéressant. Et surtout, je salue le jusqu'au boutisme de la démarche parce que toute la séquence de fin du film dans laquelle s'intègre ce plan est spectaculairement dépressive. C'est pas juste que ça se finit mal, ça c'est un truc plutôt convenu, mais elle utilise un procédé que je trouve nettement plus cool. Je sais pas si ça a un nom en fait, mais je suis sûr que vous avez tous en tête des exemples de films qu'il utilise. L'idée est de proposer une fin réaliste dans un film qui n'est absolument pas, parce que ça permet de mettre deux violences en confrontation. On passe deux heures à nous faire flipper avec des gros monstres dégueulasses et on se sert de la fin pour nous livrer une violence beaucoup plus crue et beaucoup plus crédible, qui, comme elle arrive à la fin, apparaît comme la pire des horreurs. L'exemple le plus connu de ça se trouve dans La Nuit des Morts Vivants de George Romero. À la fin du film, alors que le héros a survécu à une attaque zombie, il est assassiné par une milice qui le prend pour un mort-vivant. Le choc thermique provoqué par ce retour au réel a souvent été interprété comme un commentaire engagé sur les problèmes raciaux américains de cette époque-là. C'est une manière de nous propulser hors du film, comme si l'univers du film nous rappelait à l'ordre sur sa propre condition d'œuvre de fiction. Et même si Carnosaur est franchement raté à bien des niveaux, là j'avoue qu'il y a une intention derrière qui mérite d'être analysée. C'est cool, hein ? On a parlé de plein de trucs. Ouais. Mais c'est pas fini. Ouais, mais alors là tout de suite, je me sens pas d'embrayer sur les suites. Enfin, franchement, c'est vraiment pas agréable à regarder. Eh, mais je parlais pas de ça. Attrape. Waouh ! Le DVD de Carnosaur, bah t'es gentil, mais je l'ai déjà en fait. Lis. Un parc ? Un parc ? Pourquoi un parc ? C'est quoi le lien qu'ils font tout le temps entre les dinosaures et les parcs ? Jurassic Park. C'est un plagiat de Jurassic Park. Alors, oui, mais pas que. Car, comme tu peux le constater, le film est sorti le 21 mai 1993 aux États-Unis, soit pratiquement 3 semaines avant Jurassic Park, qui lui est sorti le 9 juin 1993. Ah donc c'est pas un plagiat? Si. Parce que si on se penche un peu plus sur les dates, on constate que le tournage de Carnosaur commence le 30 novembre 1992, soit le dernier jour de tournage de Jurassic Park. Et c'est pour ça que Corman a voulu adapter le livre. Ça lui a donné une base pour coiffer Jurassic Park au poteau en profitant de sa hype. J'en veux pour preuve le choix de caster Diane Ladd dans un rôle important, la mère de Laura Dern qui joue le docteur Ellie Sattler dans Jurassic Park. Ça, c'est une démarche qu'on peut critiquer, mais force est de constater que c'est aussi un gros doigt d'honneur au studio. Mais c'est quoi ce truc de finir les phrases des gens? Vous avez été élevé par des porcs ou quoi? Mais effectivement, je pense que le film contient un doigt d'honneur au studio, doublé d'un constat amer sur sa propre mort, ce qui en fait un film crépusculaire et assez désespéré, comme le dernier rond ensanglanté d'un système qui agonise. Et quoi de mieux qu'une histoire qui tourne autour de la fin de l'espèce pour illustrer ça? Je sais pas. L'histoire a choisi de retenir Jurassic Park et d'oublier Carnosaur, sûrement parce que l'un est fantastiquement bien fait et que l'autre semble à Carnosaur, mais je pense que les deux films offrent des perspectives différentes sur la situation du cinéma de leur époque. Dans Jurassic Park, le personnage de John Hammond représente selon moi l'enthousiasme de Spielberg à l'idée de pouvoir offrir des spectacles plus vrais que nature aux spectateurs. Ainsi, il peut incarner son émerveillement initial et les doutes qu'il ressent au moment où il est dépassé par sa propre création. Et devant Carnosaur, on a un autre discours qui illustre un autre point de vue et qui sert un autre objectif. Ça en fait pas un film réussi pour autant, mais ça en fait un intéressant objet de réflexion. Et devine quoi, selon moi, c'est le cas de tous les films. Comprendre l'histoire du cinéma comme une succession de réalisateurs importants qui inventent des choses importantes dans des films importants est une immense erreur. Que ces grands films servent de repères qui nous permettent de nous situer, ok. Mais considérer que ce sont ces films qui constituent l'histoire du cinéma est complètement irréaliste. Déjà parce que ça nous fait tous passer à côté de films négligés qui disparaissent dans l'oubli, mais surtout parce que ça donne une vision biaisée de ce qu'est le cinéma. Ça donne l'impression que les choses changent par à-coup. Mais en vrai, c'est pas que les choses changent au cinéma, c'est que tout est tout le temps en train de changer. Et essayer de trouver sa date de naissance est absurde simplement parce que ça part de l'idée qu'il en a une. Or, selon moi, le cinéma n'est jamais né. Il est juste un échantillon d'un très long continuum de pensée humaine qui a toujours eu pour objectif de reproduire du mouvement. Et on retrouve des traces de ça aussi bien dans le cinématographe des Frères Lumière en 1895, dans les travaux de Muybridge 15 ans avant, et on pourrait remonter comme ça jusqu'au tomatrope préhistorique ou aux premières narrations graphiques de la grotte de Chauvet qui datent de plusieurs dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Ce que je dis, c'est que donner une date de naissance au cinéma, et donc en conclure une définition, consiste en réalité à échantillonner un flux de pensée qui traverse l'histoire de l'humanité. Et ce processus a toujours été fait à partir de
de jugement de valeur. On a deux cases, bon film et mauvais film, on trouve des points communs entre ceux qui sont dans la case bon film, et à partir de ça, on établit une théorie sur ce qu'est le cinéma. Le problème, c'est que même s'il existe un bon goût absolu, ces critères sont forcément arbitraires. Tu m'as perdu, Haro ensanglanté. En fait, essaye d'imaginer le cinéma comme de la couleur. Imagine que chaque film est une nuance de couleur. On a tous nos couleurs préférées. Et parfois, on aimerait sûrement que notre monde ne soit fait que de cette couleur. Mais il y a un moment où il faut commencer à admettre que ce serait n'importe quoi. Tu veux une preuve ? Cette photo. Oh putain ! Ouais, c'est chaud. Mais une couleur, c'est pas une chose physique posée sur des objets, c'est une sensation. Une sensation qui naît dans la perception humaine. Pour que l'expérience du film existe, il faut ce que l'équipe du film propose, ce que notre œil reçoit et ce que notre cerveau comprend. Et c'est cette somme qui constitue le film, et sur laquelle nous appliquons un jugement ou une critique. Mais ce corpus de films auquel on choisit de donner de l'attention n'a pas vraiment d'importance, parce que tant qu'on parle d'un film, on parle de cinéma. Et si on parle de cinéma, on fait vivre le cinéma, tout le cinéma. Et ça inclut les films qu'on déteste. Leur plan est niqué depuis le début, parce qu'il contient sa propre mort. Carnosaur est l'œuvre d'un pseudonyme. Harry Adam Knight s'appelle en réalité John Brosnan. Mais s'intéresser à ce film-là te fera forcément rebondir sur autre chose. Tant qu'il y aura des gens pour voir des films et en parler, quels que soient les films en question, le cinéma continuera à exister de la plus infecte mer de chefs-d'œuvre ultime et... Eh ben tout le monde gagne. Mais si tout le monde gagne... Personne ne perd. Bingo. Donc on a gagné. Tringo. Cool. Fais une boum. Allez. Les connards! Oh putain, c'est Jérémy 1! Jérémy 1! Vieille branche! Bon, j'ai été envoyé par notre grand maître. Splinter! Non, notre grand maître, non. Le. Non! Ça n'a pas d'importance. Parce que aujourd'hui, j'ai compris des trucs. J'ai compris des trucs sur les héros ensanglantés et l'Ikaku. Quoi? C'est pas ça ce que je voulais dire, c'était. J'ai un cadeau pour toi. Si ? Allez, donne ta main. Parce que j'ai réfléchi, en fait, y a pas de raison de se prendre la tête pour des affaires de genre, ah, j'aime pas ce film-ci, j'aime pas ce film-là. Ça a aucune importance. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois heureux. C'est vraiment très gentil. Et en plus, ce Pins, c'est vraiment le dernier qui me manque. You motherfucker! Mais tu fais chier là! Ouais, et là je crois qu'il est temps pour moi de me désolidariser de cette petite entreprise. C'était néanmoins fort sympathique. À refaire! Well, I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills. And the mean old wind won't blow no luck my way. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here, he moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cry. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you're